Nous sommes aujourd'hui le premier dimanche du mois et aussi le premier dimanche de l'année. Nous sommes reconnaissants envers le Seigneur qui nous a permis de voir le début de cette année en sa présence et dans la recherche de la sanctification avec nos vœux de pardon et de réconciliation. Il est un Dieu fidèle. Il sait ce qui nous fait besoin. Et notre reconnaissance ce matin envers lui nous porte à vous demander de vous tenir debout pour acclamer le Seigneur, le Tout-Puissant, le Roi des Rois, l'Éternel des Armées, le Dieu des Dieux. Il est celui qui ne connaît aucune ombre de variation. Ce matin, nous avons l'assurance que l'Église universelle, un peu partout dans le monde, est en train de faire monter ou s'apprête à faire monter vers lui les louanges, les exaltations que lui seul mérite. En tant que roi des rois, seigneur des seigneurs, le prince de la paix, le conseiller, le Père éternel. Oh, merci Seigneur, tu es digne de gloire, d'honneur et de louange. Merci Seigneur. Gloire pour l'honneur, puissance remplit la terre. Seigneur, viens sous nous, gloire, l'honneur, puissance remplie la terre, adorée, moi exaltée. Exactly.
exalter. Viens régner, Seigneur, viens régner. Viens régner sous nous, Seigneur. Oh, viens régner sous nous, Seigneur. Viens régner. Pour habiter dans le ciel, côté Guillaume. En pile 192, la raison sera fait à ta louange tout temps. Pourtant descend bien bas, côté saillot qui a affligé. Au bail consolation, la joie, la délivrance. Au côté, côté, chita. Dans ce ciel-là, toi recevoir louange. Remplis ton belle vie, autant voyager où, autant voyager où sous nous, car vivre sous la terre. Pour répondre, et nous, l'aide en bataille. N'a dit au Messie, n'a dit au Messie, Seigneur, pour l'amour. N'abdi ou merci Seigneur pour la victoire pour nous. N'abdi ou merci pour l'amour puissant ou gaillet et on pensait à tout. N'abdi ou merci. Yeah.
ça me besoin gagner une chanson. Pour qui ça me besoin gagner une chanson. Pour me crier dans le désert pour pain. Détresse, moi, voyons, joie pour les vidéos. Détresse, moi, voyons, la joie pour les vidéos. Et yo, ma réjouissance. Pour les regarder, gagner 10 000 songes qui réjouissent. Et en pile, à ton parole. T'adorer en ce premier dimanche de l'année que nous baptisons année de pardon et de réconciliation. En toi, nous avons trouvé le pardon de nos offenses. En toi, nous sommes réconciliés avec Dieu. Et tu nous demandes de faire de même. Dans la prière dominicale, tu avais enseigné aux disciples à pardonner ceux-là qui leur infligent des offenses. Nous savons que c'est une démarche très difficile, mais tu peux nous aider si nous avons la bonne disposition. Seigneur, nous voulons obéir à ta parole, car c'est dans l'obéissance que nous obtiendrons toutes les faveurs. Notre Père Céleste, nous te louons de ce que tu as fait de nous des élus de l'éternité. Tu nous as tirés du monde, tu nous as mis à part. Et c'est ce contentement qui déborde de nos cœurs ce matin. Et nous voulons le témoigner par nos chants. D'ailleurs, jeter un regard favorable sur ce peuple qui est venu ce matin pour exprimer ses sentiments de remerciement. Tu as fait pour nous au-delà de ce que nous avons pensé. C'est-à-dire, en dépit de toutes les difficultés, tu as été favorable envers nous. Et nous espérons que pour cette année qui commence, tu vas nous conduire par ta main puissante. Tu vas nous aider à surmonter les difficultés de toutes sortes qui auront à jalonner notre route. Le combat que nous menons, c'est un combat difficile.
Mais avec toi, nous ferons de grands exploits. Et à la fin de cette année, nous dirons gloire et honneur à toi et à toi seul, comme tu as toujours fait. Seigneur, tu es le Dieu immuable. Nous changeons à chaque circonstance, parce que nous sommes des hommes. Mais toi, tu restes le même. Ta bonté se renouvelle envers nous chaque matin. Et c'est pour cette raison que ce matin, nous avons le cœur joyeux. Et nous savons que ton Saint-Esprit va nous aider à passer des moments assez agréables avec toi. Bénis tous ceux-là qui ont fait le déplacement et qui attendent une grâce spéciale de ta part. Tu les connais, tu sondes nos cœurs, tu sais de quoi nous sommes capables et tu sais de quoi nous sommes incapables. Mais ta force nous fortifie. Remplis-nous de ta grâce, remplis-nous de ta bonté et que nos cœurs soient ouverts à l'écoute de ta parole et que nous ayons le comportement qu'il faut, à savoir épouser les sentiments qui étaient dans Jésus-Christ. Sentiment d'amour, sentiment de paix, sentiment de pardon, sentiment d'humilité. Nous t'en supplions par les mérites de ton Fils unique Jésus-Christ. Amen. Nous sommes à la page 152 de notre livre de louanges. Je ne vais pas seul sur le chemin, car j'ai un ami avec moi. Il me conduit par sa sûre main et me rassure par sa voix. Oh Seigneur,
Je veux jusqu'à ma dernière heure, oui, chanter la peau qui s'aime peur. Mahalaleluya.
Mahalaleya. Mahalaleel, Mahalaleel, Mahalaleel. Frères et sœurs bien-aimés, chers amis visiteurs, nous vous souhaitons la bienvenue à Mahalaleel ce matin et nous invitons tous nos visiteurs de première fois à se mettre debout pour être salués à la dimension de Mahalaleel. Nos visiteurs de première fois sont priés de se mettre debout. Déborde de joie de vous compter parmi nous ce matin. Comme Léina vient de le chanter, vous êtes dans la maison de Dieu. Donc, sentez-vous chez vous et réjouissez-vous avec nous dans le Seigneur. Espérant que ce doux moment de louange et d'adoration vous a été bénéfique, nous vous invitons à revenir dès que vous sentez le besoin, car déjà votre place est réservée à Mahalaleel. Merci encore d'être avec nous. Vous pouvez vous asseoir. Nos annonces régulières sont les suivantes. Tous les dimanches matins, de 7h à 9h30, nous avons notre premier culte. Parallèlement, les monitrices à Herbma, l'église des enfants, accueillent les tout-petits dès leur arrivée. Notre séance d'études bibliques, c'est tous les dimanches à partir de 5h p.m. Le pasteur Kelly Louisin reçoit les bien-aimés qui le désirent tous les mardis de 5h30 à 7h30 p.m. Notre second culte, baptisé « Intimité », et tous les mercredis de 5h à 7h p.m. sous la direction du pasteur Jean-Mathieu Chériné. Le vendredi de 5h30 à 7h, c'est la grande réunion de prière baptisée Vendredi de combat. Le samedi, qui est la journée chargée de Mahalaleel, débute avec une réunion de prière de 6h30 à 8h30 sous la direction du pasteur André Guste. 9h midi à STIM, Association Timoun Mahalaleel, reçoit les enfants pour des activités socio-spirituelles. 10h-1h à STIMEX, construit nos adolescents. 3h-5h, répétition de la grande chorale. 4h30-6h30 à FMA, l'Association des femmes de Mahalaleel se réunit. 5h-7h, El Chama, le groupe d'hommes de l'église se rencontre. Et enfin la SOGEM, qui est la Société des jeunes de Mahalaleel, encadre les jeunes de l'église par des activités spirituelles et éducatives tous les samedis de 5h à 7h p.m. Papillons en prière reçoit au jardin tout de suite après le culte tous les bien-aimés qui aimeraient recevoir des visites de prière. Les versets de référence en rapport aux dîmes et offrandes pour ce matin se trouvent au livre des psaumes, le psaume 96, les versets 7 à 9. N'oubliez pas les offrandes de Sema aujourd'hui parce que c'est le premier dimanche du mois. Famille des peuples, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis.
Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous, habitants de la terre. Vous êtes invités à faire le déplacement. Pour bon offrant pour la prière. Dieu de bonté, Dieu d'amour et de miséricorde, nous voici ce matin à tes saints pieds bénis pour te présenter nos dons, nos dîmes et nos offrandes. Nous te demandons, Père Céleste, de pardonner nos péchés afin de recevoir ces dons comme un culte raisonnable venant de la part de tes serviteurs. Multiplie les seigneurs afin qu'ils fassent œuvre qui vaille en ton nom et toute la gloire sera à toi. Au nom de Jésus ton Fils, nous t'en prions et nous te remercions. Amen. Notre lecture alternative pour ce matin se trouve à l'épître de Paul aux Philippiens. Philippiens, le chapitre 1er, les versets 1 à 30. Philippiens, chapitre 1er, versets 1 à 30. Vous y êtes? Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. De manifester ma joie au sujet de l'apport que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Pour le discernement des choses et des meilleurs, afin de
rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Je suis pressé de deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui, de beaucoup, est le meilleur. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Amen. Bon dimanche, bonne semaine, dans le nom de Jésus. Nous bénissons notre Seigneur pour le privilège d'être en ce lieu ce premier dimanche de janvier et de 2019. Je profite pour saluer les internautes qui sont en direct et qui nous assistent, qui participent et qui adorent le Seigneur avec nous ce matin par la puissance de Dieu. C'est pour moi une grande joie de pouvoir communiquer l'évangile, pas seulement à cette assemblée, mais à tous ceux-là qui le désirent, à la maison, à l'hôpital, en prison, n'importe où, ils peuvent assister à un culte de louange de Mahalaleel à la gloire de Dieu. Je salue tous ces internautes et je leur demande de faire partie de cette assemblée dans leur esprit. Ils ne soient pas seulement des auditeurs ou bien des spectateurs, mais qu'ils adorent effectivement avec nous le Seigneur, parce qu'il n'y a pas de frontières quand on est avec Dieu. Et parlons de frontières, je vous salue ce matin de la part du diacre Daniel Lundy. Il est vivant encore, malgré les circonstances. Parlons de frontières. Je ne puis m'empêcher de me rappeler que le diacre Lundy est parti avec un passeport expiré. Très malade, il est arrivé à l'immigration haïtienne
Mais il faut prendre le début pour dire, quand il est paniqué en voyant que le passeport était expiré et qu'il était en passe de mourir, Nixon lui a dit, qu'est-ce que tu lui avais dit, Nicky? Que votre foi soit conquérante. Mais venez, mais le Seigneur est vivant. Hein? Nixon lui a dit, allons, que votre foi soit conquérante. Comme des fous, ils sont partis à l'aéroport sans passeport. Ils ont fait l'immigration haïtienne. On aurait pu dire que c'est une négligence, parce que la négligence en Haïti. On aurait pu dire que quelque chose est arrivé, puisque sous la table, il y a des choses qui se font. Mais arrivé à Miami, il était seul maintenant, les frères n'étaient pas là. Il n'y avait personne pour venir le récupérer. Il a tiré son passeport et il l'a remis à l'officier de l'immigration. Et l'officier lui a déposé les sceaux, il lui a dit bienvenue aux États-Unis. Il a laissé Miami et il a pris un autre avion pour arriver à Boston. Depuis cette question de Twin Towers, comment on appelle ça, les tours qui ont... Le 11 septembre, les fouilles sont sévères aux États-Unis. Et quand il est arrivé à Boston, ben, il n'a pas tremblé. Mais bien aimé, il faut affronter les choses. À Boston, il a encore lancé son passeport. Et les sceaux ont été mis bam, 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 bam. Et puis, quand on a réalisé l'urgence de la situation, il n'a même pas eu le temps de rentrer à la maison. Il est sorti de l'immigration pour aller directement à l'hôpital. Mais bien aimé, le Seigneur nous porte sur ses ailes quand nous ne pouvons plus voler. Et ce matin, c'est avec satisfaction que nous saluons le Jack Daniel lundi. Nous savons qu'il est avec nous et qu'il adore avec Mahalalel. Le Seigneur est bon, mes bien-aimés. Je remercie le ciel qui a donné une grande victoire à notre frère Philogène qui était terriblement frappé cette année. Il est là. Il cherche qui il va dévorer, égorger et détruire. Mais l'autorité suprême a dit, je suis avec vous tous les jours. Je salue notre sœur Jean-Louis qui doit faire un déplacement pour sa santé. Et je lui souhaite une santé robuste. Le Dieu que nous servons est vivant. Si je suis vivant, si Jack Lundy est vivant, si Philogène est vivant, pourquoi ne pas rester vivant pour voir 2020? Notre sœur Fabiola qui a eu un choc terrible, qui a failli perdre ses jambes, est aux États-Unis. Et elle nous a prié de saluer l'assemblée de sa part, et elle adore avec nous, ma bien-aimée. C'est une grande excitation de savoir que les membres de Mahalalel qui sont à l'extérieur sont branchés et qu'ils adorent avec nous. Valérie Laurent, que tout le monde connaît, que tout le monde aime tellement à l'église et qui a dû laisser Haïti pour aller vivre au Canada, m'a demandé avec insistance de saluer l'Assemblée et de vous communiquer combien il nous manque depuis son départ. Notre sœur Janice et son mari qui n'étaient pas là, ils sont revenus, l'année commence, c'est le temps de les saluer. Elle n'est pas dans les rangs de la chorale. Janice, mettra debout avec ton mari que l'on vous voit. Voilà. Merci. Ils étaient en France, ils sont revenus et ils ont été voir leurs garçons, passer la fin de l'année avec eux. Nous sommes très contents de la voir revenir. La petite Sterling Terrier, que personne ne connaissait, tant qu'elle était discrète, qui a passé beaucoup de temps à étudier à l'extérieur et dans nos murs ce matin. Sterling, Dieu veut te mettre debout. Voilà. Sterling, c'est la fille de Sœur Terrier. Elle a été étudiée au Brésil et elle est avec nous ce matin. Je ne sais pas pour combien de jours elle est dans le pays, mais en vérité, je te salue et dis à ta maman que nous l'attendons fermement
qu'elle nous manque. Mais il y a une bonne surprise. Denise Saint-Preux est dans l'Assemblée. Est-ce que nous pouvons voir, Denise? Voilà. Bonnes vacances et nous sommes très contents de te voir. Il y a une autre surprise agréable. Découragé. Malgré les circonstances, je n'ai rien dit et puis vous applaudissez. Véronique et son mari sont avec nous. Alors, la grande nouvelle, c'est que l'agronome Pierre Emmanuel, qui travaillait au CAP et qui a entraîné son mari avec lui, hein, son mari, sa femme, il a entraîné sa femme, les deux deviendront. Ah. Ils ont été au CAP pour beaucoup de temps et j'avoue que c'était une grande douleur pour moi personnellement, pour l'Église, et je sais que pour eux aussi, ce n'était pas agréable. On a parlé pendant tout le temps, mais elle est bien fraîche, Véronique, malgré tout. Mettez-vous debout que l'on vous voit. Nous sommes très contents de voir les époux Pierre ce matin. Asseyez-vous et que Dieu vous bénisse encore. Et puis ce travail qui est à Port-au-Prince doit rester et les augmentations doivent venir. Et vous devez rester à Port-au-Prince parce que nous avons besoin de vous. Je voudrais dire merci à Dieu parce que les époux Adam ont repris la bonne habitude. Je ne vais pas leur demander de se mettre debout. On les voyait, on ne les voyait pas. On les voyait, on ne les voyait pas. Et finalement, à la fin de cette 2018, ils ont repris l'habitude d'être à leur place à Mahalaleel. Et ça fait du bien à mon cœur ce matin. Mais nous avons une présence de Marc. Je ne vais pas donner de détails parce que c'est un ami personnel, mais que tout le monde connaît et qu'en général tout le monde aime. Je parle de Emmanès Clément. Vous connaissez qui est-ce qui est Emmanès Clément? Ah ben couramment on l'appelle Yon-Yon. Et Yon-Yon est avec nous pour la première fois ce matin. Nous sommes très contents de pouvoir débuter cette année avec Yon-Yon. Vous ne pourrez pas le voir parce qu'il est plus haut que l'Assemblée. Tous les membres, tous les moniteurs et monitrices du ministère des enfants de Mahalaleel sont attendus à Herbma après le culte. Tous les moniteurs et monitrices du ministère des enfants de Mahalaleel sont attendus à Herbma après le culte de Mahalaleel. Il n'y a pas beaucoup d'annonces ce matin, heureusement. Chers supporters, c'est une annonce de SEMA. Chers supporters de SEMA, enfin, les enveloppes tant attendues sont là. Merci de les récupérer à la table préparée à cette fin à l'entrée de l'église. Les bien-aimés qui voudraient rejoindre la grande famille des supporters de SEMA peuvent également passer à cette table pour leur enregistrement. Déjà bienvenue à cette grande famille. Nous voulons compter près de 1000 supporters pour construire les écoles de Desarmes et de Fonverrette. SEMA vous fait ses vœux les meilleurs pour le nouvel an et vous remercie une fois de plus de votre fidélité à l'accompagner dans sa mission qui est de faciliter une éducation de qualité aux enfants de Fonverrette et de Desarmes. Merci. C'est fini? C'est tout? C'est pas fini?
Vous vous êtes habillé pour venir recevoir la grâce de Dieu ce matin. On ne va pas vous oublier. Hein? Un anniversaire, nous savons que ça se fête. Et en général, les fêtants de janvier sont excités. Depuis ce matin, je n'ai pas cessé de dire de décembre, comme si j'étais trop habitué avec 2018. Vous devez surveiller ma bouche. Et vous qui écrivez vos chèques, s'il vous plaît, n'écrivez pas 6 janvier 2018. Je ne les vois pas, nous les fêtons. Si je ne les vois pas, je ne chante pas. Un anniversaire, ça se fête, ça se fête. Un anniversaire, ça se fête entre amis. Encore. Encore avec sentiment. C'est le seul jour. Dernière fois, c'est le seul jour de l'année. Un anniversaire, ça se fête entre amis. C'est Marie-Paul qui va les bénir et nous vous demandons de vous mettre sur vos pieds pour les accueillir et dégager sur eux toute la puissance que vous avez en vous pour que Dieu les garde et les conserve au cours de cette année. Adorable Père Céleste, nous te remercions pour ce beau bouquet de fêtants du mois de janvier. Seigneur, nous les regardons et nous voyons déjà luire ta gloire sur eux. Ce sont des champions parce que ils t'ont choisi pour te suivre. Nous te demandons de les garder tout le long de cette année, de les bénir, de leur permettre de voir ta gloire. Parce que Seigneur, cette année que nous avons mis sous l'auspice du pardon et de la réconciliation, ça va commencer avec eux. Nous te demandons d'effacer dans leur cœur toute tristesse, toute hargne, toute haine qui les empêcherait de voir ta face. Qu'ils soient grands ou petits, Seigneur, marche avec eux le long de cette année. Marche avec eux tout le long de leur vie jusqu'à ce qu'ils fassent la rencontre avec toi. Seigneur, certains d'entre eux viennent à l'église mais n'ont pas encore fait choix de toi comme leur sauveur personnel. Soit qu'ils n'ont pas encore compris l'urgence ou qu'ils sont trop jeunes. Nous te demandons de saisir leur âme cette année et de rendre possible cette rencontre et cette réconciliation avec le Père. Seigneur, qu'ils soient bénis à tous égards, que tout ce qu'ils fassent leur réussisse au nom de Jésus.
qu'il profite de cette grâce que nous avons lancée à l'Assemblée au début de l'année, qu'il fuit la compagnie des moqueurs, qu'il sorte au milieu des pécheurs et qu'ils aient leurs yeux fixés sur toi pendant toute l'année et pendant tout le reste du temps qu'ils auront à faire sur terre. À la fin de l'année et au début de l'année prochaine, nous sommes sûrs que certains d'entre eux seront assez braves pour venir faire une action de grâce pour dire comment ils ont été bénis pendant l'année. Non pas parce que c'est certain seulement que tu vas bénir, mais d'ordinaire quand tu bénis, c'est certains seulement qui reviennent. Mais le cœur des autres est quand même rempli de reconnaissance. Nous te demandons de rester avec eux, de demeurer avec eux, de ne jamais les lâcher comme tu nous as promis. Et comme cela, ils seront heureux, heureux, heureux. Nous te remercions. Parce que toutes ces grâces, nous savons déjà que tu les accorderas au nom de Jésus. Amen. Amen. Un anniversaire. Ça se fête, ça se fête, un anniversaire. Ça se fête entre amis, un anniversaire. Ça se fête, un anniversaire. Ça se fête entre amis. C'est bon. Nous allons chanter avec la grande chorale. Mais avant, je voudrais interpréter une musique de Julien Janvier. Il vient de nous saluer pour dire merci d'être arrivé jusque chez lui ce matin. Et il adore en direct avec nous. Alors nous allons chanter « N'aie pas peur, Jésus te tiendra la main hein, » pour dire bonjour à notre frère Julien. N'aie pas peur, Jésus te tiendra la main, il te protégera. Encore. N'aie pas peur, ne dis plus rien. Prie ton Seigneur. Amen. Ne dis plus rien. Prie ton Seigneur. N'aie pas peur. Il te protégera. N'aie pas peur. Lève-toi et marche. Si ton prochain, donne-lui la main. Oh, si ton prochain,
n'aie pas peur. N'aie pas peur. Amen. 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 Mets ta confiance. Une vie de joie. Ta confiance, une vie de joie. Oh merci Seigneur, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Sois crédible. Nous allons vous gratifier de trois morceaux puisque nous sommes janvier. C'est bon, trois morceaux. Merci Seigneur. Quittez l'Éternel, le verre. Quittez l'Éternel, le verre. Quittez l'Éternel, le verre. En patience, quittez le verre. C'est dans yon moment difficile, j'occupe pas d'accoucher yon petit bébé. Yon petit garçon qui était tellement belle, dans yon temps pharaon t'es en colère. Contre nation Israël, petit bon Dieu dans esclavage. Pharaon baille l'autre pour tuer tout garçon juif qui fête dans temps ça. C'est pas yon chance ni yon hasard qui mène princesse la vine bonilla. Bolteroué yon bel petit vaisseau qui tape flotté, toko yon bateau. Force Saint-Esprit poussé, à le constater salpakapoué. L'autre bébé a crié, miséricorde ciel l'a ébranlé. Saint-Esprit, bon Dieu, traversez, entrailles princesse, la loi Moïse. Les levés bébés à en l'air, les déclarer rêve, les accomplis. Mamselle, pas de même comprendre, qui rôle lit après le pour le jouer. Dans l'éternel approuvé, les mes ennemis ont à disposition. L'Éternel t'a choisi Moïse comme instrument pour révolution. Qui t'a pral fait le monde qu'on est, après y avait pagué l'autre bon Dieu. Moïse frappé 10 fois, et chaque fois Pharaon bat pas. À la fin le maître genou t'est, lui confesser bon Dieu, c'est bon Dieu.
Merci Seigneur. Amen. Longtemps attendu en pile mon palais de Jésus sauveur. Malgré ça, ou pas suspend, indifférent, ou à vivre aux gens rouvelés. Oubliez si je n'ai sous fragile. Longtemps on entend des professeurs exposés sous origine mondiale. Ils ont évoqué Big Bang, évolution, pour faire mon vin à terre. Et qui j'en souffle la vie, fait quitter yon montré par sec. C'est ouais, ouais, l'homme, arraché, découpé, même propre la vie, pas yon fragile. Ou abdant de Jésus qui est pour le tourner, l'église qui est pour l'enlever. Pourquoi parole ça y a aussi vieille causé pour monde qui dépassé. La tête tournée, l'enfer, tout côté passé, c'est là. Sauvez nos bons amis avant le soleil couché. Civilisation ça fragile. Quitter le monde à toute vanité lio. Tout a passé, tout a passé. Merci Seigneur, merci Seigneur. De Dieu est couvert de saphir d'un bleu que jamais yeux n'ont vu dans l'univers. Jéhovah n'est pas de chair. Ses éclats brillent comme l'éclair. Des anges planent autour de son trône. Son diadème rayonne dans feu immaculé. Yeah.
J'ai vu le buisson et rédempteur tout couvert de gloire, accueillant les élus de fin l'invêtue. Un caillou blanc de cristal, amen. Un palais, feu pourpre azuré, et les séraphins chantant le refrain d'un hymne de louange en l'honneur des élus. Du buisson, Jéhovah. Oui, du buisson, Jéhovah, la tendance, gloire au vainqueur éternel. Gloire au roi des rois. Du buisson, Jéhovah. Vainqueur éternel. Gloire au vainqueur éternel. Il bat ennemi en ciel. Il bat ennemi en bataille. Il bat ennemi à la croix. Il est pour le retourner encore pour venir condamner ennemi au siècle des siècles. Gloire au vainqueur éternel. Merci Seigneur. Marel Aléal. Apprêtez-vous à manger le message de la parole de Dieu ce matin. Je ne vais pas prêcher, mais je vais proclamer les oracles de Dieu. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 26. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 26 et le verset de référence, c'est le 9e. Le verset de référence, c'est le 9e. Ésaïe chapitre 26, verset 9. Ésaïe chapitre 26, verset 9. Je lis pour vous, mon âme te désire pendant la nuit et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Vous avez ce texte? Lisez pour moi, s'il vous plaît. Mon âme te désire pendant la nuit, et mon esprit te cherche au-delà de moi. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Mon âme te désire pendant la nuit. Mon esprit te cherche au-dedans de moi. Mon esprit, remarquez la profondeur du texte. Mon esprit te cherche. Où ça? Au-dedans de moi. Il ne faut pas aller trop loin, mes bien-aimés. Car quand tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Le serviteur désirait, il cherchait, pour une raison spécifique, pour que la justice de Dieu éclate, pour que le jugement de Dieu éclate. La proposition du Seigneur pour son assemblée et pour son peuple, pour les internautes, c'est Dieu dévoile l'avenir seulement à ses enfants.
Qu'est-ce que je dis? Et le titre du message, c'est « Attendons avec assurance ». Quel est le titre du message? Attendons avec assurance. En ce premier dimanche du premier mois de l'année 2019, nous sommes encore un pays habité par les angoisses de toutes sortes. Mais nous nous appuyons sur Dieu, notre seul refuge. Il a fait des promesses. Il a déjà montré des évidences claires quant à sa capacité d'intervention. Et en ce premier dimanche de l'an de grâce 2019, le maître de toutes choses créées nous dit « Attendons avec assurance ». Qu'est-ce qu'il nous dit ? Attendons avec assurance. Ne nous lassons pas de prier. Quelle est la deuxième chose qu'il a dit ? Ne nous lassons pas de prier. Je sais que le découragement l'emporte souvent, et nous ne trouvons pas de mots pour prier pour Haïti. Nous vous rappelons que Dieu peut changer les temps et les circonstances. Attendons avec assurance. Un. Deux, ne nous lassons pas de prier. C'est notre arme de combat. Mais bien aimé, ce n'est pas les manifestations. Ce n'est pas les caoutchoucs. Ce n'est pas du feu. Ce n'est pas les incendies. Ce n'est pas aller voler les affaires dans les magasins. Ce n'est pas non plus dire des saletés immondes à non plus finir. Nos armes de combat, mais elles sont puissantes. Pourquoi? Ne nous lassons pas de prier, c'est notre arme de combat. Mais nous devons croire de toutes nos forces. Nous devons croire qu'en son temps, Dieu opérera une délivrance sans précédent pour Haïti. En son temps, quand Israël était dans une situation déplorable, Esaïe a éclaté dans un cantique de reconnaissance. Est-ce que vous comprenez le contraste? Alors que Israël était dans une situation déplorable, le serviteur a éclaté dans un cantique de reconnaissance et il a déclaré « Mon âme te désire pendant la nuit, mon esprit te cherche au-dedans de moi, car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. » Mais bien aimé, les habitants d'Haïti font partie du monde. Les habitants d'Haïti peuvent apprendre la justice quand Dieu intervient. Et Dieu peut intervenir. Et dans cette chose, que personne ne se mette en tête qu'il peut venir avec son estomac et faire quoi que ce soit. C'est Dieu qui peut le faire. Et c'est Dieu qui va le faire. Nous n'avons pas peur de ce fort. Parce que nos armes de combat sont assez efficaces pour renverser ça. À vous qui doutez ce jour-là, je vous rappelle que notre Dieu est omniscient. Il connaît le futur. Ne nous prenez pas pour des fous. Le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu qui se trompe. Dans Ésaïe 44, allez regarder ça. Dans Ésaïe 44, alors que le peuple de Dieu voulait s'adonner à l'idolâtrie, l'Éternel a convoqué Israël dans un procès. C'est beau à voir. Dans Ésaïe 44, Israël voulait tomber dans un trou. Parce que l'idolâtrie, mes bien-aimés, c'est un trou. Dans les versets 6 à 8 de Ésaïe 44, lisez avec moi. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Qui a comme moi fait des prédictions, qu'il le déclare et me le prouve. Depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'ils annoncent l'avenir et ce qui doit arriver. N'ayez pas peur et ne tremblez pas.
Ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il pas d'autre rocher? Je n'en connais point. Et le verset 9 nous dit, ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité, et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Elles ne témoignent elles-mêmes. Elles n'ont ni la vue, ni l'intelligence, afin qu'elles soient dans la confusion. Et à partir du verset 24, Jéhovah affirme sa suprématie sur la création, son pouvoir infini sur les puissants de la terre. Dans les versets 24 à 26 de Ésaïe 44, nous pouvons lire ensemble. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul, j'ai déployé les cieux. Seul, j'ai étendu la terre. J'anéantis les signes des prophètes de mensonges et je proclame insensés les devins. Je fais reculer les sages et je tourne leur science en folie. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée, et des villes de Juda, elles seront rebâties, et je relèverai leurs ruines. Vous voulez remplacer Jérusalem par Haïti? C'est le 26A que j'admire. Le Seigneur dit, je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Mais bien-aimés, Dieu est Dieu. Il est intéressant de constater que 150 ans avant la naissance du roi Cyrus, le prophète Ésaïe l'appelle par son nom et a défini son rôle dans l'histoire d'Israël. Mais vous avez besoin de comprendre ça pour comprendre que le Dieu que vous servez est extraordinaire. Ésaïe a vécu longtemps avant Cyrus, puisque c'était entre 745 et 695 que Ésaïe a vécu. 150 ans avant la naissance d'un homme, le prophète Ésaïe l'appelle par son nom et le prophète Ésaïe définit quel sera son rôle dans l'histoire d'Israël. 150 ans avant sa naissance. Regardez le verset 28 pour voir. Ésaïe a dit, je dis de Cyrus, il est mon berger et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Ésaïe a fait cette déclaration entre 538 et 529, 150 ans avant la naissance de Cyrus. Cyrus a pris naissance, Cyrus est devenu roi et Cyrus a renversé les situations comme l'Éternel l'avait prédit. Mais bien-aimé, Dieu est Dieu. Ésaïe l'appelle par son nom, c'est ça que j'aime. Ésaïe l'appelle par son nom. Du temps d'Ésaïe, le temple était encore debout. Le temple n'était pas détruit encore. Mais maintenant, il faut être audacieux aussi pour être un prophète. Il faut être comme un enfant. Parce que le temple est là debout, Dieu vous commande d'aller dire au peuple que ce temple sera rebâti. Mais il est debout, Seigneur. Il est debout pendant que tu le regardes, mais Dieu sait quand il sera effondré. Et c'est Dieu seul qui sait quand il sera effondré. Il te dit de dire que le temple sera rebâti, tu vas le dire parce que tu es son enfant. Et 150 ans avant, Ésaïe était considéré comme un fou en parlant de Cyrus qui devait venir reconstituer les choses. Et ce matin, nous vous disons, Dieu est Dieu, bien-aimé.
Qu'est-ce que je dis? Il sait que nous sommes dépassés. Mais vous devez avoir la foi. Qu'est-ce que je dis? Ne me dites pas vous, dites nous devons. Dites je dois avoir la foi. Recevez ce message pour vous. Dans Exode chapitre 3, allez avec moi. Dans Exode chapitre 3, dans les versets 1 à 8 de Exode chapitre 3, dans les versets 1 à 8 de Exode chapitre 3, il y a des événements passés qui devraient nous pousser à développer une foi sans limite que Haïti sera délivré. Lisez avec moi les 8 versets, s'il vous plaît. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un bruisson. Moïse regarda, et voici le bruisson était tout en feu, et le bruisson ne se consumait point. Ça doit être un beau spectacle. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le bruisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du bruisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, attention, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Nous nous arrêtons là. Je suis interpellé par deux membres de phrases. Dans le verset 7, la Bible dit, Dieu dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Il est un Dieu qui voit. Ce n'est pas un morceau de bois. Ce n'est pas un totem. Ce n'est pas une idole. Ce n'est pas une masse de boue. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai vu la souffrance de mon peuple. Vous pensez qu'il ne voit pas Haïti? Mais est-ce qu'il a un peuple en Haïti? Et s'il a un peuple en Haïti, est-ce que ce peuple prie? Est-ce que ce peuple est sincère? Est-ce que ce peuple cherche la solution en Dieu et en Dieu seul? Il a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Mais bien aimé, tant que l'Église prie, Haïti ne sera pas abandonné. Dans le verset 8, j'ai lu, je suis descendu, oh, pour le délivrer. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Je suis descendu pour le délivrer. Il n'a pas dit d'acheter des armes. Il n'a pas dit de rassembler des munitions. Il n'a pas dit de brûler. Il n'a pas dit de dévorer. Il a dit, j'ai vu les souffrances de mon peuple, je suis descendu pour le délivrer. À main forte et à bras étendu, c'est lui qui va le faire. Dans le verset 9, il a dit, voici les cris d'Israël
sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Quand nous vous demandons de continuer à prier, Dieu doit entendre vos prières. Les prières doivent arriver dans ses oreilles. Il ne sera jamais agacé. Mais pour sa gloire, pour que les autres comprennent qu'il existe, qu'il domine sur les méchants, que c'est lui qui a créé la terre et le monde, qu'il peut changer les temps et les circonstances. Dieu va agir pour sanctifier son nom si l'Église reste dans les prières de combat. Et les prières que nous adressons à Dieu en faveur d'Haïti doivent être des prières de combat. Délivre-nous, Seigneur. Nous ne pouvons plus. Les services publics ne fonctionnent pas. Délivre-nous, Seigneur. On nous fait payer pour des services qu'on ne nous donne pas. Nous en avons assez. Délivre-nous, Seigneur. Les autorités qui nous dirigent montent sur nous de n'importe quelle manière. Ils nous dominent et marchent de dessus nos personnalités comme si nous étions des stupides poupées. Nous implorons ta délivrance parce que nous sommes faibles, mais nos yeux sont sur toi. Bien-aimé, pour les intérêts matériels, les gens peuvent dévorer n'importe qui. Mais personne ne peut dévorer l'Éternel des armées. Notre Égypte moderne a assez duré. C'est l'Éternel qui a suscité Moïse. C'est l'Éternel qui a suscité Cyrus. Et c'est ce même Dieu qui nous dit ce matin dans Ésaïe 44, verset 26, « Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. » Dans plusieurs pays du monde, des prophéties déclarent par la bouche de beaucoup de serviteurs et de servantes que la délivrance d'Haïti n'est pas loin. Dans beaucoup de pays du monde, beaucoup de prédicateurs le déclarent. Et ce matin, au nom du ciel, croyez-le. En attendant cette intervention de Dieu, je vous le répète, prions. Prions avec ferveur et croyons. Le prophète, au fort de la détresse, a chanté « Mon âme te désire pendant la nuit. Ne vous laissez pas effrayer. Mon esprit te cherche au-dedans de moi. » Lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. J'aime ce verset. Lorsque les jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Et l'oracle, la juste justice de Dieu sera terrible. Qu'est-ce que j'ai dit? Alors, à toutes les âmes trop sensibles, le Saint-Esprit aura parlé. À tous ceux qui ont développé la fâcheuse manie de tout remettre en question, le Saint-Esprit vous aura parlé. Aux chrétiens modernes qui discutent les principes, les préceptes et les lois de Dieu, qui se mettent en tête que l'intellectualité peut continuer à contester avec la juste justice de Dieu, le Saint-Esprit vous aura parlé. À vous tous qui vous croyez plus sages que la sagesse, Dieu dit, prenez garde. Qu'est-ce que Dieu a dit?
lorsque vous verrez l'abomination s'abattre sur les rebelles et les vindicatifs qui retiennent captifs ce pays, vous vous souviendrez que la justice de Dieu est juste. Vous vous rappellerez que Dieu seul connaît qui est coupable et qui est innocent. Car Dieu ne se trompe jamais. Dieu ne va pas se tromper, mes bien-aimés. À l'intérieur de l'Église, il va y avoir beaucoup de renversements aussi, parce que beaucoup de chrétiens font ce que les autres font. Vous ne vous laisserez pas surprendre par des noms de ceux que vous aviez toujours cru pour bons ou extraordinaires, car Dieu connaît qui sont les vrais coupables. C'est le cœur qui le regarde. Il connaît les innocents. Et ce matin, je vous dis, tandis qu'il est encore temps que le méchant abandonne sa voie. Tandis qu'il est encore temps que le méchant abandonne sa voie. Et si vous êtes dans cette salle, si vous nous écoutez sur le net, et que vous êtes dans des conciliabules qui ne répondent pas selon la grâce, reprenez-vous. Car la sentence est claire. Allez avec moi dans Proverbe chapitre 19. Allez avec moi dans Proverbe chapitre 19. Vous avez ça? Proverbe chapitre 19. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le verset 25? Frappe le moqueur et le sot deviendra sage. Vous avez peur de lire ça? Lisez pour moi. Frappe le moqueur et le sot deviendra sage. La sentence est claire. Les moqueurs bénéficient de l'impunité. Ils font ce qu'ils veulent. La justice est vendue aux enchères et les malheureux souffrent et soupirent après un changement. Frappe le moqueur et le sot deviendra sage. Reprends l'homme intelligent et il comprendra la science. Et dans Ésaïe 26, Ésaïe chapitre 26, nous pouvons lire dans le verset 10. Ésaïe chapitre 26, nous pouvons lire dans le verset 10. Si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Il se livre au mal dans le pays de la droiture et il n'a point égard à la majesté de Dieu. Mes bien-aimés, le jugement de Dieu sur Haïti sera terrible parce que ce pays a assez entendu la parole de Dieu et dirigeant et dirigé, particulièrement l'Église. Et ce matin, la sentence est là. Et les bonnes raisons pour justifier cette sentence, si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Il se livre au mal dans le pays de la droiture et il n'a point égard à la majesté de Dieu. À vous qui possédez la paix en ce début d'année et dont les affaires marchent, Dieu vous dit, restez dans l'humilité. Dites comme Ésaïe 26, dans le verset 12, l'Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Ne vous mettez pas en tête que vous êtes plus sage que personne. Si vous êtes en train de réussir, c'est parce que l'Éternel est avec vous, c'est parce que la grâce potentialise vos initiatives. Restez dans l'humilité. Éternel, tu nous donnes la paix. Car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous.
à vous que le Seigneur a arraché dans les griffes de l'idolâtrie. Réjouissez-vous de la grâce que vous bénéficiez en Christ et ne vous prenez pas pour bon ni pour mieux que les autres. Au contraire, dites avec Ésaïe chapitre 26, verset 13, « Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous, mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. » Ce n'est pas vos analyses, parce que la Bible est claire. Nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Et dans Jean 12, 32, Jésus était très clair. Lorsque j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Il a vaincu le calvaire, il a attiré les hommes à lui. Et vous qui étiez dans l'idolâtrie, qui avez connu les affres des idoles, le verset 13 de Ésaïe 26 est clair. Dites, Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous, mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Peuple de Dieu, attendons avec assurance. Attendons avec assurance. Prions et croyons fermement. Prions et croyons fermement. Si vous ne pouvez pas trouver de mots pour prier, soupirez. N'allez pas insulter les gens avec des gros mots. Ça ne va rien changer. Ça ne plaît pas au cœur de Dieu non plus. Ésaïe est sensible à ce qui arrive. Et il a cherché l'Éternel à l'intérieur de lui-même. Dans les versets 20 et 21 de Ésaïe chapitre 26, nous pouvons lire. Et prenez ça comme la déclaration finale de Dieu pour l'assurance de cette délivrance. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants. Jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à nu. Elle ne couvrira plus les meurtres. Que le Seigneur vous bénisse. Il est merveilleux. Il pardonne encore. Le Seigneur est bon. Sa miséricorde dira toujours, il est merveilleux. Il pardonne encore. Il pardonne encore. Nous allons rentrer à la maison sous l'égide de la grâce, sous la protection du roi des rois. N'ayez aucune crainte. Vous qui êtes dans cette salle et qui sentez que vous avez besoin d'une repentance,
même si vous êtes déjà dans le Seigneur. Si vous sentez que vous avez besoin d'une repentance parce que vous avez commis des choses qu'il ne fallait pas, ne sortez pas avant de demander à Dieu de vous pardonner. Si vous êtes dans des milieux difficiles et que dans ces milieux, vous bénéficiez de faveurs qui ne plaisent pas au Seigneur, n'excusez pas votre péché. Beaucoup de chrétiens qui fréquentent les églises, qui sont actifs, vont subir s'ils ne se répandent pas. Parce que dans se laisser aller, beaucoup de chrétiens ont perdu leur sanctification. Si vous voulez vous reprendre, Dieu est fidèle et juste pour vous pardonner. Je ne veux pas demander qu'on se mette debout. Ce sont des choses hautement intimes qui ne regardent personne. Mais inclinez votre cœur devant Dieu là où vous êtes assis. Demandez à Dieu de vous donner surtout le courage de ne pas continuer à jouir de cette malédiction. Parce que la sentence sera terrible. Dieu va protéger son peuple des dommages collatéraux. Comme il l'a toujours fait. N'a pas tant de bruit balla. N'a pas de cadavre. Le nous fin passé. Enfin nous arriver. Parce que bon Dieu nous rend, c'est bon Dieu. Bon Dieu nous rend, c'est bon Dieu. L'Éternel des armées. Amen. Bon Dieu noir, c'est bon Dieu. Lui dit Ézéchiel, priez sous Zoyo. Amen, oui. Lui dit Ézéchiel, priez sous Zoyo. Allons, bel spectacle, dans la vallée des ossements. Pour être tout zo, à chercher l'autre zo qui semble à faire, pour coller tout zo, semble à. Mais bien aimé, Haïti tout non cadavre, l'Éternel qui a fait cadavre là, retournez mon encore. Ézéchiel priait, Ézéchiel priait, Ézéchiel priait, tout ça y'a pris en place, et puis il y aurait un paquet de bonnes squelettes. Ézéchiel vient devant l'Éternel, il dit même, viens prier, même moi, tout ça y'a collé, oui. L'Éternel dit, priez pour chez vous, ces ouïos. Il a donné assez d'exemples pour nous faire comprendre que quand le malheureux crie, et il le délivre de sa détresse. Mes bien-aimés, ceux qui sont riches dans ce pays ont besoin de comprendre qu'ils ne sont pas riches. Ils ont besoin de comprendre qu'il y a une différence entre la richesse et l'abondance. On peut être dans l'abondance sans être riche. Toute richesse qui n'est pas au service d'une communauté, d'une société, d'un monde, est une prostitution. Et tous ceux-là qui détiennent des richesses, qui thésaurisent, semblent l'argent, les cupides. Combien va nous chercher peine dans le pays aujourd'hui? Moi, de 50 gouttes pour un avocat. Si malheureux a pas vendu comme ça, le pape n'a pas acheté pas de tomates pour le mettre dans manger. La vie est devenue infernale. À cause de la cupidité des possédants, ils ne sont pas riches. Nous ne sommes pas là pour les insulter, mais nous sommes là pour dire la vérité. Et si parmi vous, il y a des commerçants qui profitent, gardez-vous-en. Gardez-vous-en, parce que Dieu va entrer en jugement avec ce pays.
demandez pardon. Demandez pardon, car il est fidèle et juste pour pardonner. Il est le Dieu qui compatit aux faiblesses de ses enfants. Il peut comprendre, mais nous avons besoin de comprendre aussi. Si vous avez besoin d'une repentance, rencontrez Dieu dans votre cœur, maintenant, avec sincérité, et il va pardonner. Et surtout, demandez-lui le courage de ne pas continuer à profiter. Parce que la fin de la débandade arrive. Parce que la fin de la débandade arrive. Qui veulent accepter Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, ils peuvent venir. Donnez-vous un cadeau, un gros cadeau pour cette année, accepter Christ comme votre sauveur. Qui est-ce qui veut se faire ce cadeau? Je ne veux pas commencer 2019 comme j'ai vécu. Je veux commencer 2019 avec le Seigneur. Qui est-ce qui veut faire ce cadeau à lui-même ce matin? Dieu ne va pas tenir compte de tant d'ignorance. Il est prêt à pardonner et à écrire dans le livre de la vie votre nom avec son sang. Personne ne veut l'accepter. Alors on se met debout pour terminer. Il est merveilleux. Il pardonne. Il pardonne encore. Il pardonne encore. Et justifie. Personne ne veut recevoir son pardon. Mahalaleel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Mahalaleel. Et Ebenezer. Merci Seigneur. Proclamons notre bénédiction. Que le Dieu de paix nous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À qui soit le règne, la puissance, la majesté, la souveraineté, la domination et la gloire au siècle des siècles. Allez, passez une bonne année sous le regard du Tout-Puissant.
Devant yon pour mon temps, même te connais que ma
ka monte. Paske nan mi tan tout e prev a tentasyon. Yon se la sirans mwen yeye. Encore et encore, jour après jour, mon Dieu fidèle. Encore et encore, jour après jour, non t'as pas. La plante moi la vie ou tête en bas, tout ça ou fait vivre contour. Songez promesse, mon Dieu, ou pas changé, ni pas jamais abandonné. Pour qui ou obligé, guette au nom, les lames